vent vient de s'arrêter, mais le décor n'est pas dégueulasse. On va attendre que le vent se relève. C'est annoncé pourtant que ça allait se lever, hein, bordel de cul de canard. Au moment où le soleil a plongé dans l'horizon, le vent s'est arrêté net. Nothing, nada, rien, pétole. What the fuck? Avec une houle courte et croisée. Hop, c'est encore moi, la jacouille. Barbabouille. Une bonne purée pour plâtrer son petit estomac. Avec jacouille à fripouille, vous mangerez pas que des nouilles, mais de la purée. Avec jap et la fripée, on mange pas que de la purée. Éole, appuyez sur off. Bif. Le feu est tombé dans l'eau, ça s'est éteint. Oh, plus de vent, il n'y a plus rien. Je vais faire 17 ans de tour du monde. La barbabouille, ça te fout la ch'touille. Crois-moi de stop, il y a tout à refaire. Non mais j'aime bien parce qu'il se marre, mais en fait c'est pas lui qui est descendu pour faire à manger non plus. Ouais, c'est bon, t'as mis des flocons lyophilisés ouais, de purée dans de l'eau. Avec amour. Je n'ai pas rangé la canne à pêche les bananes. Il faut que j'y aille. Voilà, jacouille, tu es sage? Je reviens. Comme ça, on va tester notre nouvelle lampe. Je me lève et je te bouscule. Mais tu m'entends pas quand je t'en... Mais ne... Voilà toi. Je vais jouer à faire semblant. Oh putain. Mais quoi? Mais bien compliqué, merde. Il faut le rentrer avant le coucher du soleil. Parce que là, s'il y a un poisson qui prend maintenant, c'est la merde. Oh, qu'est-ce qui se passe sur le pont? Vite, attention. Hop, il y a du rouge. Hop. Et là, il n'y a plus rien. Je pense que je vais m'amuser toute la nuit, moi. Jour. Vous n'avez pas marre de lui? Jour. Nuit. Si vous en avez marre, j'arrête la chaîne YouTube, hein, je vous préviens. Hein. C'est Ico Presto, hein. Ça s'arrête maintenant. Hein. Ok? Merci. Par contre, si vous en avez marre de la jacouille... Mais ils en ont pas marre de moi. Bande d'hypocrites. Vous dormez, banane? Moi, j'y arrive pas. 19h. Je vous invite à regarder le début de la vidéo. Quand je vous fais un petit tuto sur la météo. C'est un truc de dingue. Ça va être du 12-15 nœuds, du 12-15 nœuds toute la nuit. Aucune pluie. Nous sommes seuls. On a vu deux satellites. Comme ça. Il y a des gens, ils vont dire, oh, on a vu des extraterrestres. Non, c'était des satellites. Après, il va dire, oh, quoi, t'as pris Starlink? Le ciel. Calme-toi, Bernard. Calme-toi, Bernard, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans le monde de la météorologie? Mais je sais pas ce qui se passe, pourquoi tu me demandes à moi. Oui. Des moments privilégiés, là, regarder les étoiles. C'est dommage qu'on puisse pas vous montrer. Ah, on peut pas vous montrer, on n'a pas un matériel cinématographique. C'est trop, trop beau. Où personne ne nous dit, c'est interdit. Ça, on peut, personne ne peut nous l'enlever. Ça fait une plan en panique. Si le paradis vous est offert. On a un ciel de dingue. Comme c'est beau. Bon, maintenant, c'est vrai de se coucher. Hein. Allez, vous brossez les dents, vous nous réveillez sans arrêt et qu'il est maintenant. Oh merde. C'est pas possible, arrête de les réveiller toutes les 30 secondes. Mais non, mais je vous. Ouais, mais avec la lumière, après, on voit plus les étoiles, on est ébloui, Sophie. À cause de vous, je vais me faire engueuler. Malin, tu dors? Bah, rien d'être obligé de vous dire, hein, parce qu'on a vu une étoile qui dort. Bah, 19h14, avec l'ongle de nuit. Zéro humidité, zéro vent. Tu dors? Mais moi, tu dors pas. Je me suis aperçu un truc, il y a un petit défaut dans la lampe. C'est éteint, mais si je m'endors comme ça, je tourne la tête légèrement sur la droite, ouais, comme ça, et hop, ça s'éteint. Mais si je fais comme ça, hop, hop, ça s'allume. Bon, là, c'est pas très grave, mais je préférais vous le dire. On s'endort maintenant. Gros bisous. Banane, dors toujours pas. Nous sommes pensifs. Ma jacouille a été philosophique. Rendez compte ceux qui ont eu l'idée de se dire on envoie des satellites pour communiquer. Vous vous rendez compte? N'empêche, il n'y avait pas ça, mais vous ne verriez pas les vidéos YouTube. Hein. Et ouais, faut bien que ça passe par quelque part. Ça passe par comme ça. C'est dommage, on commence à bien s'amuser, c'est bien chiant. 19h19, la nuit va être très très longue. Je dis à ma jacouille, on est bien là? Elle m'a répondu par un... Je pense qu'elle est à deux doigts de me dégobiller dessus. Tu veux pas les deux doigts d'abord? 19h24, c'est long. Banane. Mais tu peux pas te passer de là. Les moteurs électriques, ça marchera un jour, c'est sûr. Mais pour le moment, c'est un grand marketing, c'est un grand business, c'est du grand n'importe quoi. Quand on a connu, nous, un bateau dont je ne citerai pas la marque aux Bahamas, il me disait qu'il avait une heure d'autonomie à 7 nœuds. Voilà, j'ai eu la petite méditation du soir. Bon. Bonsoir. Mais tu vas les déranger toute la nuit. Il avait décidé de faire la nuit avec nous, on reste ensemble. On est tous ensemble. Je sens une légère brise arriver sur ma joue tribord. Tribord, c'est là-bas? Bah oui, c'est celle-là. Soit on met le code zéro, soit on met le fog tranquillement jusqu'à demain. De toute façon, même à 3 nœuds, on arrive à 18h. On n'est pas pressé, on s'en fout, ça. 19h33. Moi, je dors toujours pas. 20h06, le vent s'est arrêté avec le coucher de soleil. Et il vient de reprendre un instant avec le lever de lune. Alors, il y a 8 nœuds de vent, est, nord-est. On peut mettre la GV parce qu'on se retrouve à 130 degrés du vent. Comment ça se passe de mettre la grand voile en pleine nuit? C'est comme deux jours, mais on y voit moins bien. On va prendre un riz. Premier.
Putain, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Voilà, on prend un riz en pleine nuit, 20h14. Banane, tu dors. Ma jacouille, elle dort bientôt, elle. Le pilote automatique autour du cou. Le mini iPad avec la carte Navionic. Je viens d'arrêter le moteur, 20h47. Il y a un petit dineux qui souffle, fort courant contre nous. Mais on avance à la voile. Tranquille, tu dors. Je commence à fatiguer, moi. Il va falloir arrêter de me réveiller comme ça sans arrêt. Je vais mettre le compte à rebours une heure. Si je m'endors, bah, au bout d'une heure, ça va sonner, ça va me réveiller. Ah non, j'ai pas vu l'alarme. Bah, vu qu'on n'a pas le radar, nous sommes en éveil. D'habitude, il y aurait longtemps qu'on serait en train de dormir. Ça y va tranquille, mais c'est bien, on fait la voile. On n'est pas pressé, on y va plus tard. Et là, on a baissé la GV, il est 21h20. Le vent est tombé sur les limbes de ton plancher. Et ça continue encore et encore. Ah, cabane en fond du jardin, il y a des cailloux. C'est bizarre, hein. Puis la houle est très courte, enfin, les voiles ne tiennent pas. Je sais pas, mais on est avancé à un 2.5. Je crois que j'ai allumé le moteur. Les bananes, vous êtes réveillés. Bonjour, il va être 5h du matin. Le vent nous a abandonnés. La jacouille nous a abandonnés. On est au moteur, tribord. Et on va arriver sur Wainé dans 4-5 heures à peu près. Ça n'a pas été. Donc je ne me suis pas traversé comme j'espérais. Et le code zéro n'a pas arrêté de taper. Tout seul ici. Je me suis endormi en mettant le réveil toutes les heures. La jacouille, bah, ça fait toute la nuit en bas, en dormant toute la nuit. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur le pont de Black Lion, au lever de soleil, tout seul, entre vous et nous. Plus tous ceux qui le veulent. Pendant que la jacouille est dans les bras de Morphée. Et entrez dans la danse, allez, venez. Wainé est ici. Cassez la voix, rendez-moi mes pizzas. Tiens, une marmotte en rut. Heureusement qu'il y avait le réveil, hein, parce que sinon, je ne suis plus qu'à ce que gars. Le printemps, la marmotte se réveille. Petit déjeuner au soleil levant à l'arrivée de Wainé. Cette navigation ne restera pas dans les annales. Monsieur. Biscotte doit se tenir virilement, comme ça. La cage aux folles. Que c'est là, moi ? Que c'est là, moi ? Regardez la photo de Sticky. Il est trop mignon. Avec Navionix. On va voir combien on a consommé. Parce qu'il y a Jacouille en plus de dormir. Une grande consommatrice d'internet. Tu t'appelles Hélène. Tu es un garçon. Les autres. Ah bah ça va, 0,4 giga. Oh, ça fait pas beaucoup, hein. Je désactive les priorités mobiles parce qu'on est à 11 000 de Wainé. Attention. Évidemment, tête d'aran. Tête d'aran. Désactivé. Nous revenons en illimité. Ça va, ma marmotte en rut? Tu as bien dormi? Elle est différente, crois-moi. Ouh là là. Si vous pensez que c'était inconfortable sur un catamaran, le monocoque derrière nous, regardez plutôt. Il se fait secouer de tous les côtés. Nous quittons pas pour le moment la Polynésie. Nous sommes encore en cours de saison cyclonique. Même s'il fait très beau depuis un mois, on va surtout pas partir. On va pas partir parce que c'est encore la saison cyclonique et puis les cyclones, et ben c'est souvent à la fin de la saison. Alors moi si je vais dire et puis si je te coupe pas, et ben moi je peux jamais parler. Alors ouais. Ferme ta gueule. Merde. Ça c'est pas possible, hein. Alors je voulais dire que la zone de convergence, je savais pas, il faudrait checker la météo pour le elle savoir. Elle est aux Fidji. Bah oui, c'est moi qui t'ai dit. La zone de convergence c'est entre en diagonale sur les Fidji et Tonga, la Nouvelle-Calédonie. Il pleut à gogo là-bas, donc on va pas descendre là-bas pour se prendre du mauvais temps alors qu'ici il fait très très beau. Petite appréhension en arrivant près de Wainé. On espère qu'on va pas revivre ce qu'on a vécu là et qu'on va être accueilli comme deux petits plaisanciers qui ne font du mal à personne. Nous sommes pas méchants. On n'est pas des Calimero, nous. J'ai pas des coups. Et en plus, ils sont idiots la plupart du temps. Il y a un bon petit souci. La bague de safran est déjà fatiguée. La mèche tape énormément là, c'est désagréable. Il va falloir que je trouve une petite solution en attendant. Vous savez, quand on s'est fait foudroyer, il faudrait que je vous montre ça. Les anneaux des embases se sont détériorés à une vitesse grand V. Incompréhensible. Je me demande si on va pas devoir sortir Blacky incessamment sous peu. Fidji, peut-être que ce sera moins cher. Ouais, peut-être au Fidji. Ce que j'aime de naviguer en Polynésie, c'est qu'on ne croise aucun filet de pêche. Des Marquises, au Tuamotu, à ici, on n'a jamais croisé un seul filet de pêche dérivant. Ça, c'est vraiment très agréable. Quoi. On a l'esprit beaucoup plus tranquille. 1h30, 2h, et nous serons arrivés à Wainé. Re-bienvenue à Wainé. Merci, mon capitaine. Nous sommes de retour. Il est fort. On va aller voir l'encre. J'ai l'impression qu'il y a un peu de corail, mais il n'y a rien de marqué encore. Hein. C'est chiant. Hein.
obligé de bouger car on est sur du platier. C'est quand même le gros avantage du catamaran. On est mouillé dans peu d'eau et on s'était mis sur du platier. On a bien fait d'aller vérifier parce qu'on était super bien accrochés. La spade s'est accrochée de suite. Sauf que imaginez que ça tourne. C'est pas parce qu'on a la spade sur du platier, ça tiendra pas. Au rayon d'évitage, le lagoon est là-bas. Le petit mocotte est là. Les patates sont derrière, les patates sont là aussi. Oh là là. Et je vais quand même checker la météo parce que par rapport donc à certains endroits, bah voilà, on n'a pas tout le droit à l'erreur. C'est sûrement pour ça que ce bateau là-bas, il est échoué. Bon, les bananes, ça va pas faire publicité encore aux plaisanciers. Donc voilà pourquoi on est mal vu. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Un bateau échoué, on y est passé il y a 3 mois, bah, il est toujours là. C'est une horreur. Quel dommage. Il fait toujours de la peine quand on voit des... Voilà, donc c'est un peu à cause de ça aussi qu'il y a des déboires en fait. Will my heart ever find its way back home? Will the tears that I saved for years take hold? These streets that once were paved in gold are letting memories. Les pains pita, je vous ai déjà dit, il faut que je vous fasse la recette. D'habitude, je les fais ronds à la poêle et là, je les ai fait un peu plus allongés. Je vais en faire une partie au four pour voir ce que ça donne et une partie à la poêle. Et j'ai fait des petites tortues avant que nos bananes arrivent. Grand ménage du carré. Choupi est en train de nettoyer la coque. Il s'essaye de se débarrasser de ses saletés algues. Alors que nous nous préparons à accueillir nos parisiens tête de chien, la jacouille a nettoyé le carré extérieur. Regardez la différence, regardez les hublots comme ils sont propres. Ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient pas nettoyé. En fait, on n'a pas à mettre, on a 15 mètres. Hein? On a 15 mètres. 15 mètres? Ouais. Attends, il me semble qu'il y avait 20 mètres avec la patte d'oie. Non, il y a 20 mètres au-dessus de la patte d'oie. Donc la jacouille elle me dit il y a 20 mètres, mais quand on dit 20 mètres, c'est 20 mètres au niveau de la patte d'oie quand on met le crochet de la patte d'oie. Donc il n'y a que 15 mètres, ça j'aime pas trop ça, mais il n'y a pas beaucoup de fond non plus. Hein. 2,50 m de fond, 15 mètres, ça fait 7 fois la longueur. Normalement, on est dans les règles. Je vous le donne en 1000 et 1000. Comme de par hasard, je suis dans l'eau en train d'enlever les algues, il y a mon petit Black Lion, et pendant ce temps-là, jacouille a fait quoi? Elle casse le tuyau de mer. Tu vas bien leur expliquer que c'est pas moi. Hein. Vous avez tout compris. Allez, donc on va pas aller plus loin. Tu vas bien leur expliquer que c'est pas moi. Je vais leur montrer l'état du truc. Il y a de la violence là. Oh putain, tu vas avoir des problèmes toi. Comme de par hasard, je suis pas dans le bateau. Je montre aux bananes. Elle me dit le tuyau s'est cassé. Bon, quel bâtard. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Mais donne, je montre aux bananes. Je vais vous montrer parce que il m'a dit que c'est moi qui ai cassé. Mais il faut que vous voyez quand même. Allume la lumière. Il faut vous voyez. Déjà, tu me parles autrement parce que les gens, ils ont remarqué qu'ils me parlaient très très mal en ce moment. C'est ça, ouais. C'est cela, oui. C'est là-bas. Ça, le truc là. La jointure avec le tuyau d'eau de mer qui est cassé. Mais là, vous voyez l'état. Et il dit que c'est moi qui l'ai cassé. Faut quand même pas abuser, hein. Et pour nous remercier, vous téléphonez dans les dom-toms. Ah oui, comme par hasard, je suis pas là. Dès qu'il y a un truc de cassé, c'est jamais moi. Hein. La vestuité, c'est toujours moi. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Il y a de la vestuité, là. La vestuité. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Hein? À la casse. C'est cela, oui. La voilà, sa tête. Mauvaise foi réincarnée. Il me dit que c'est moi qui ai tiré dessus, alors que ça fuit depuis plusieurs jours, en plus. L'amour, ça donne du courage. Si vous pensez que la jacouille n'est pas maladroite et que par mégarde elle a tiré dessus, tapez 1. C'est ceux qui en font le plus qui cassent le plus, c'est normal. Alors moi je fais le ménage, forcément ça peut pas être monsieur qui va casser. C'est ceux qui en réparent le plus qui en fait le plus aussi. C'est
ça, tu vois, il arrive même pas à trouver d'excuses. Mauvaise foi. Lâche-moi. Donc il faut que je vous montre, il vient de le couper. Regardez les bananes. Il faut y aller pour y grignoter ça là-bas en plus. Parce que moi je me suis fait chier à y aller. Et l'autre avec ses petits dents de dragon de Komodo là, comme ça là. Vénère surtout, c'est que même le dragon de Komodo il t'a mis en vente. Non mais vous avez vu. N'importe quoi, elle m'a pas mis en vente. Vous avez vu, ça fait deux trucs d'eau qui cassent. Vous avez vu, ça fait au moins 50 trucs qui cassent. Donc voilà. Voilà. Encore une fois, heureusement que ça s'est cassé avant qu'on soit en grande navigation. N'est-ce pas, capitaine? Ah ben ça, je t'avais dit, hein, maintenant, il faut aller le réparer, c'est pas pratique. Un raccord simple, comme ceci, avec des colliers inox, simple, rapide, efficace. Merci à Jacouille. Une petite astuce, ces bananes. J'ai dit que la bague de safran est fatiguée, vous voyez? Ça claque quand on est en navigation. J'ai rajouté un élastique de gros diamètre est tendu à fond. Regardez, je peux plus le tendre comme ça. Ça va amortir un petit peu sur la vague, du moins j'espère. Repli sur le secteur de barre et sur le secteur là-bas de rappel. On verra bien. J'ai de la peinture sur les dents. Non, c'est pas moi, j'ai rien fait. J'ai mis, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai dit, la peinture, que ça fait? Et elle s'est amusée à faire des retouches sur la cuvette des toilettes avec du Tipex. Did you think this was a good idea? Mais ils vont avoir le cul tout blanc, quoi. Regarde comme c'est propre. Non, mais n'importe c'était quoi. C'était là-dessus, c'était tout jaune. J'ai fait que mais là-dessus. Mais ça va couler sur la cuvette maintenant, grosse banane. Ben, il faut attendre que ça sèche. Non, mais ce qui me tue, c'est ça. C'est... Non, c'est pas moi, j'ai rien fait du tout encore. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Moi, j'en peux plus, moi. Nous attendons du monde demain et il va absolument vous faire une vidéo. Travail, il a dit, même si je fais nuit blanche, c'est pas grave, je referai la vidéo. Tu l'as dit? T'en rajoutes un petit peu. Tu l'as dit. T'as oublié la musique de Marvel. I am your hero. Yes. C'est l'anglais, on peut pas comprendre. Bon, en attendant, moi je vais faire manger un soufflé au fromage et au surimi. Je vous ai pas fait la recette, mais le voyage n'a pas totalement repris les bananes. Je vous promets qu'on va se rattraper. Choupi filmera les recettes. Parce que non mais j'entends tout, hein. C'est bon, j'ai pas que ça à foutre, moi. Monsieur, vous savez bien qu'il fera... Ouais, tout, rien à branler, en fait. Mais non, c'est pas vrai. Ils en ont branlé. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Pilon de poulet, sauce polynésienne. Ça marine dedans pendant 24 heures. Je vous dis vite fait la recette, mais je vous en referai une. Alors, du ketchup, du soyou, de la sauce huile, de l'huile, du gingembre, de l'ail et du poivre. C'est vrai qu'il était bon le barbecue l'autre jour. Ah ben, j'en ai rien à manger, comme tout à l'heure. Ah! Ah! Elle va dire que c'est pas elle. Elle vient de faire tomber l'allume-gaz. Là, il faut y aller quand même. Hein. Ça peut tomber là, ça peut tomber là, ça peut tomber partout. Non! Elle a décidé de le faire tomber là, juste un doigt. Tu veux pas qu'elle le fasse tomber d'abord? Je crois qu'on a acheté un truc qui est monté. Attends, je vais aller chercher. Il est tout neuf le truc. Regardez, fini. Un truc télescopique est monté. C'est du vrai l'alu. C'est du vrai inox. Venir par ici. Et arrête de dire des trucs aux bananes. Hein. Voilà ma vie. Confession intime. Le couple étant de toute évidence dans une impasse, Karine Grandval vient les aider. Je vis avec une gastronette la gaffette. Un truc comme ça. La pince vient de se casser. Elle a décorodé les bananes. Ouais, c'est comme tous les trucs que tu nous as pété dans le bateau. Et vas-y, un petit coup dans le plafond. Il n'y a pas des trucs pour attention interdits aux enfants de moins de 50 ans, de plus de 50 ans. Putain, j'ai failli me prendre ça dans les couilles. Allez, couilles, j'ai arrivé là comme ça là. Mais t'es malade quoi? Attention. Ah, attends, c'est pas gentil de pas m'aider. Ah bah voilà. Attention, mais tu vas nous blesser. Ah. Mais arrête, Choupi. Putain, mais moi je vis avec un danger sur patte. Pourquoi tu vois? Non. La main était ici. C'est quoi ce bordel? Là, je l'ai. Bébé, aide-moi. Ah oui, c'est comme dans Fort Boyard, Choupi. C'est à moi faire des bananes. Allez, il faut avoir la clé. Ah, merde. Je suis prête. Aide-moi. Non, ça va tomber. Non. Mon héros. Voilà. En 2 secondes, je viens de lui sauver son cou. Si j'étais pas intervenu, la basse au lithium l'aurait explosé et le bateau aurait brûlé. Et là, on aurait fait le buzz, évidemment, parce que ça aurait pu être tout le monde. Oh, c'est trop bien ce truc. Ça, on va l'enlever là. Ah oui, batterie lithium, ça peut être dangereux. J'en ai marre. Ma vie est en danger. Hein. Mais je vous préviens, hein. Un jour, il y aura un complément d'enquête sur Choupi. Hein. Comment il est mort, comment il a disparu. Vous aurez été prévenus. C'est quoi ça? C'est un soufflé au fromage et au surimi. Moi, je travaille sur les récits. Ouais, ben, travaillez sur nous, là, c'est mon fatigue. Et là, c'est vrai que j'ai du retard, les bananes. Alors, je sais, vous avez ça, pas on sait. La meilleure pause, 4 points de retard. Mais tu vas te calmer, hein, Co. Et toi, t'as l'andropause? Bon, je vais essayer de vous faire le récit de cette vidéo. J'ai du retard. Vous savez que tous les récits,
ça va participer au troisième livre qu'à la poursuite d'un vent de liberté, le deuxième, et le premier que je n'ai même pas à bord du bateau. Pourquoi j'ai pas le temps? Pourquoi on va recevoir du monde? Je leur ai préparé la petite cabine, la petite salle de bain, les toilettes que j'ai repeintes, la petite salle de bain, la deuxième cabine, parce que s'ils ont pas envie de dormir là-bas, et ben ils peuvent dormir ici. Pourquoi j'ai mis du retard? Parce que j'ai fait ces plein de sacs et il en reste encore. Le citron, c'est la vie. Comment on fait le sirop de citron? Stop. Tu mets de l'eau? Moitié de sucre, moitié de jus de citron. Et ça nous fait le jus de citron et ça se conserve très très bien à l'abri de la lumière. J'ai une nouvelle fois renettoyé la coque de Black Lion. Tous les trois jours, c'est impressionnant cette verdure. Des algues qui se nourrissent de la pollution du lagon. J'ai pas le souvenir en 17 ans qu'on a eu des algues comme ça sur la coque aussi rapidement. Mais là, c'est de la mousse. On a toujours eu des algues vertes à la flottaison. Ça s'est arrivé à certains endroits dans ces eaux-là. Mais jamais comme ça sur la totalité. Enfin, c'est vrai, pas de coquillage du tout. Les voilà, les voilà, les Parisiens. Ils arrivent avec la pétaille, on va les chercher au Thiers. On y va, femme? Oui. Est-ce que vous savez qu'on consomme beaucoup moins depuis qu'on a cette annexe? Mais je suis assez surpris. Elle déjauge de suite, elle ne force pas, comme dit Ajacu, elle ne force pas à déjauger. J'avais fait un collier de fleurs à mes bananes qui arrivent, mais je crois qu'il a eu chaud. C'est de la merde.